Ça, c'est une question difficile. On est fier un peu de toutes ces recherches parce que c'est comme ses enfants. Mais je sais pas, je dirais comme ça un peu ex abrupto que ce qu'on a montré il y a très longtemps avec Bruno Stankov sur le rôle de l'activité électrique sur la remyélinisation, qui a conduit ensuite à plein de travaux de recherche dans d'autres groupes dans le monde et qui va maintenant continuer avec un essai clinique soutenu par l'ARCEP. Qui va évaluer l'effet de la stimulation électrique sur la remyélinisation dans le nerf optique. Ben voilà, c'est une recherche dont on est un peu fier. On attend encore une fois les résultats de l'étude. C'est pas parce que l'étude commence que l'étude va être positive, mais c'est un résultat dont je suis fier. Peut-être l'autre chose dont je suis fier, c'est de me dire que voilà, au cours de toutes ces années, on a réussi à créer une équipe médico-scientifique où il y a beaucoup d'interactions entre les chercheurs et les cliniciens, ce qui est fondamental dans les deux sens. Une équipe qui fonctionne bien, qui est dynamique et dans laquelle il fait bon travailler.